Bonjour à tous. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu parle pour vous. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qu'elles vous soient accordées de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que vous ne manquiez de rien pendant que vous êtes connectés. Quel que soit le besoin pour lequel vous êtes connecté, quelle que soit la raison pour laquelle ce matin tu te connectes, quel que soit le sujet pour lequel tu te connectes, que ce soit pour ton foyer, que ce soit pour ton ministère, que ce soit pour tes affaires, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour tes études, que ce soit pour ta santé, peu importe le sujet pour lequel tu te connectes, je vois Dieu t'exaucer au nom de Jésus. Je vois Dieu accomplir un miracle dans ta vie ce matin. Je vois Dieu manifester sa gloire dans ta vie. Je vois Dieu opérer un prodige dans ta vie. L'état dans lequel tu étais avant ne sera plus le même à partir d'aujourd'hui parce que Dieu te visite. Par sa grâce, il te visite. Par sa bonté, il te visite. Par sa faveur, il te visite. Et le Seigneur change quelque chose dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, le constat de ta vie sera différent. Là où tu échouais avant, aujourd'hui tu réussiras. Là où on t'avait dit non hier, aujourd'hui on te dira oui. Là où on t'avait fermé les portes hier, aujourd'hui elles seront ouvertes pour toi. Ceux qui s'étaient moqués de toi, ceux qui n'avaient pas cru en toi, je vois Dieu renverser la situation en ta faveur. Je vois Dieu renverser la situation en ta faveur. Je vois Dieu renverser la situation en ta faveur. Tu es béni en ce jour. La grâce de Dieu est sur toi. Que la main du Seigneur te visite fortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es chez toi, si tu as suivi cette prière et si tu crois en cette prière, dis je reçois au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Sois béni. Toi qui es connecté, je te vois, je te reconnais. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce soit sur toi. Je veux prier le Seigneur et, n'est-ce pas, nous commençons. Père, je te rends grâce. Je veux te recommander ce moment. Le mettre dans le creux de tes mains, le mettre sous ton autorité et sous ta puissance. Retrouve ceux qui sont perdus, console ceux qui ont le cœur brisé, guéris les malades, que les aveugles recouvrent la vue, annonce la bonne nouvelle aux pauvres, rends libres les opprimés, délivre les captifs et publie une année de grâce. Montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Dieu nous bénisse. Donc, le thème sur lequel je veux prêcher en ce jour, sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour, s'intitule « Que les chaînes tombent ». Que les chaînes tombent. Donc, le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour, il s'intitule « Que les chaînes tombent ». Donc, prends ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Prends ta Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Donc, le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour, il s'intitule « Que les chaînes tombent ». Actes des Apôtres, chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 10. Voilà, encore une fois, Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Merci d'être là. Que la grâce du Seigneur vous visite. Donc, je lis Actes, chapitre 12, verset 1 à 10. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi, au verset 4, et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Souligne bien chez toi, Pierre lié de 2 chaînes. Voilà, Pierre lié de 2 chaînes. Donc, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7, et voici.
Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8, souligne ça aussi, les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8, « Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, le thème sur lequel je veux brièvement prêcher aujourd'hui, il s'intitule « Que les chaînes tombent ». Donc, le passage sur lequel je m'appuie, c'est Actes des Apôtres, chapitre 12. J'ai lu du verset 1 au verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 au verset 10. Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, la Bible dit dans Actes des Apôtres, le texte que nous avons lu nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 10, que le roi Hérode s'est levé et puis il s'est mis à maltraiter, n'est-ce pas, quelques membres de l'église. C'était l'église de Jérusalem. Et là, on était déjà à la naissance de l'église de Jérusalem et tout ça. Donc, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il s'est saisi de Jacques, le premier Jacques. Il s'est saisi de Jacques, le frère de Jean. Il a pris Jacques, il l'a mis en prison et il l'a fait tuer par l'épée. Les Juifs, donc les anciens du peuple, les sacrificateurs, les prêtres, tout ça, les scribes, ils ont apprécié, n'est-ce pas, que Hérode s'attaque à l'église parce qu'eux, ils voyaient l'église comme une rivale, comme un adversaire, comme un ennemi à leur système. Donc, ils ont apprécié et Hérode, un bon homme politique, voyant que les Juifs avaient apprécié l'acte qu'il avait posé, il a entrepris d'aller plus loin. Il a maintenant fait arrêter Pierre. Il a pris Pierre, il l'a mis en prison. Et il avait prévu, après la Pâque, de le faire comparaître, forcément, de le condamner, et ensuite de le tuer. Et certainement, après avoir tué Pierre, il allait maintenant s'attaquer à Jean, puisque le diable s'attaque toujours aux colonnes, le diable s'attaque toujours à ceux qui sont grands, le diable s'attaque toujours aux plus forts, le diable s'attaque toujours au chef, à la tête, il s'attaque toujours à ceux qui sont les plus sérieux, il s'attaque toujours à ceux qui mènent au leader, à ceux qui conduisent le groupe, afin que le groupe soit dispersé, afin que le groupe soit véritablement vaincu. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1, verset 21, verset 22, verset 23, Jésus explique cela. Il dit qu'il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens, qu'il meure, qu'il soit enseveli et qu'il ressuscite le troisième jour. Vous comprenez ce qui se passe. Donc, avant cela, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus explique simplement que cette nuit, il dit cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous tous. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc le diable attaque toujours ceux qui sont devant. Si aujourd'hui tu vois que le diable est si fort contre toi, c'est certainement parce que c'est par toi que ta famille doit sortir de l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Si le diable est fortement après toi, c'est à cause de la particularité de ta destinée. Donc, Hérode attaque Pierre. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand Hérode s'est attaqué à Jacques, l'Église n'a rien dit. L'Église n'a pas réagi. Hérode a fait arrêter Jacques. L'Église n'a rien dit. Hérode a fait comparaître Jacques. L'Église n'a rien dit. Hérode s'est mis à l'aise, il a tué Jacques. L'Église n'a rien dit. Quand Hérode a vu qu'il n'y a pas eu de réaction, qu'il n'y a pas eu de contre-attaque, Hérode s'est mis à l'aise. Il a immédiatement entrepris d'attaquer un autre leader de l'Église. Il a attaqué cette fois-ci Jacques. Quand l'Église a vu que Pierre était attaqué et que l'Église a commencé à comprendre le danger qui la guettait, parce que si ces leaders meurent, qui va conduire le peuple? Là, on était déjà à plus de 5000 fidèles. On avait déjà dépassé le Acte chapitre 3 et tout. On était déjà à plus de 5000 fidèles. Donc, quand l'Église a compris le danger qui la guettait, immédiatement,
elle a décidé de réagir. Elle a décidé de ne pas se taire. Je vais te dire une chose. Le diable a une manière de réfléchir. Quand le diable t'attaque et qu'il te frappe quelque part, lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de contre-attaque, qu'il n'y a pas de réponse, il se met à l'aise. Quand le diable te vole et que tu ne réagis pas, il se met à l'aise. Quand le diable tue quelqu'un dans ta famille et que toi, le chrétien, tu ne réagis pas, il se met à l'aise. Si le diable attaque ta femme et que tu ne réagis pas, il se mettra à l'aise. Si le diable attaque ton mari et que tu ne réagis pas, il se mettra à l'aise. Si le diable attaque tes enfants et que tu ne réagis pas, il se mettra à l'aise. Si le diable attaque ton travail et que tu ne réagis pas, il se mettra à l'aise. Quand l'Église accomplit que si elle ne dit rien, elle serait décimée, elle a décidé cette fois-ci de ne pas se taire et elle a ouvert la bouche, elle a commencé à prier. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci, c'est que quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois jamais te laisser faire. Un sorcier ne peut pas venir te menacer chez toi. Une sorcière ne peut pas venir te menacer chez toi. Un spirit ne peut pas venir te menacer, que ce soit un rêve, que ce soit physiquement, que ce soit, je ne sais pas, mais par personne interposée, quelle que soit la situation, quelqu'un ne peut pas déclarer que toi, ta famille ne sera pas bénie et puis toi, tu t'aimes. Parce que s'il parle et que tu ne réponds pas, il se mettra à l'aise et il va commencer à vous faire du mal. Si ce sorcier a parlé et que tu n'as pas répondu, il va se mettre à l'aise. Si le diable a volé ton travail et que tu as perdu ton travail bêtement, ça se répète une fois, deux fois, trois fois, et qu'il voit que tu ne dis rien, il va t'empêcher même d'avoir même un simple CV. Et tes enfants aussi vont souffrir le bien. Ce matin, ce jour, pendant que tu es connecté, je ne sais pas qui a décidé de s'attaquer à toi comme Hérode avait décidé de s'attaquer à l'église. Je ne sais pas qui a décidé de venir contre toi. Je ne sais pas qui a décidé de te voler tes biens. Je ne sais pas qui a décidé de te voler ton mari. Je ne sais pas qui a décidé de te voler ta femme. Je ne sais pas qui a décidé de tuer ton ministère. Je ne sais pas qui a décidé de faire du mal à tes enfants. Je ne sais pas qui a décidé de te rendre stérile. Mais ce que je sais, c'est que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre, entre le ciel et la terre. Jésus m'a donné le pouvoir sur la base de Luc chapitre 9, verset 1, sur tout démon et toute et la force sur tous les démons. C'est pourquoi j'exerce ce pouvoir et j'exerce la domination sur toute force du mal, sur toute force de l'ennemi qui s'est levé contre toi. Aujourd'hui même, si tu expérimentais des agressions, cette expérience s'arrête. Si tu expérimentais des cauchemars, cette expérience s'arrête. Si tu expérimentais des vols, cette expérience s'arrête. Si tu expérimentais des pertes, cette expérience s'arrête. Même si toi, tu n'as pas ouvert la bouche pour parler, moi, j'ouvre la bouche en tant que serviteur de Dieu et je parle pour toi. Si tu expérimentais des échecs répétés, des échecs répétitifs, j'ouvre la bouche pour toi au nom puissant de Jésus et je mets fin à cette expérience. Quel que soit le héros qui s'est levé contre toi aujourd'hui, il tombe au nom de Jésus. Si tu suis cette prière, dit je reçois. Donc Hérode s'est mis à l'aise. Et quand Hérode a récupéré Pierre, la Bible dit au verset 6 que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, Pierre lié de deux chaînes. Ayakata. Hérode était tellement mauvais qu'il a pris des précautions. Parce qu'il ne voulait pas que Pierre puisse s'échapper. Donc, il a lié Pierre de deux chaînes. Les chaînes sont des liens. Le but que Hérode avait en liant Pierre de deux chaînes, c'était l'empêcher d'avoir des mouvements. Il voulait tuer les mouvements de Pierre. Il voulait tuer le dynamisme de Pierre. Il voulait tuer les capacités de Pierre. Dans le cas de Pierre, les chaînes étaient réelles, elles étaient physiques. Mais beaucoup de personnes vivent des chaînes spirituelles. Quand tu veux te lever pour prier, tu n'arrives pas à te lever pour prier. Il y a des chaînes qui sont contre toi. Quand tu veux te lever pour jeûner, tu dis aujourd'hui je prends la décision de jeûner. Mais tu ne peux pas jeûner, tu ne comprends pas. Tu as faim comme tu n'as jamais eu faim de ta vie. Comme si c'était la première fois que tu n'avais pas mangé du matin jusqu'à 12 heures. Il y a des liens et des chaînes qui parlent contre toi. Quand tu dis je veux lire la Bible, je veux commencer à m'intéresser à la parole de Dieu. Dès que tu t'assois, tu ouvres la Bible, tu as sommeil, tu es fatigué. Or, quand tu te mets devant la télévision, tes yeux sont clairs. Quand tu te mets devant ta
ton téléphone portable, ton ordinateur, tes yeux sont clairs. Mais dès que tu te mets devant la parole de Dieu, tu commences à être appesanti, tu as sommeil, tu as des chaînes spirituelles. Pierre était lié de deux chaînes physiques afin que son dynamisme soit tué, afin que son mouvement soit tué, pour que Pierre ne soit plus jamais réactif et qu'il soit comme une brebis, un mouton, qu'il soit comme une victime qu'on met à l'abattoir et qu'il ne peut pas se défendre. Quand réellement tu as envie de faire des affaires, mais chaque fois que tu veux, tu prends ton argent, tu investis dans un domaine, tu n'enregistres que des pertes, alors que c'est un domaine fructueux, alors que c'est un domaine lucratif, il y a des chaînes sur tes finances. Quand malgré tous tes efforts, malgré tous tes calculs, malgré ta bonne gestion financière, tu n'arrives jamais à t'en sortir, tu es toujours dans le découvert, il y a des chaînes sur tes finances. Quand dans ton foyer, malgré tes efforts, ton mari et toi, vous ne faites que vous discuter. Tu ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous comprendre, pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a toujours des paroles. Oh, tu fais des efforts. Certaines fois, tu remarques que ton mari même fait des efforts, mais ça finit toujours en catastrophe dans la maison. Il y a des chaînes spirituelles. Sur ton ministère, tu te bats pour le ministère. Tu jeûnes, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu te sanctifies, mais le ministère n'explose pas. Il y a des chaînes sur le ministère. Cela aussi peut concerner ton entreprise. Tu n'arrives pas à avoir des clients, tu n'arrives pas à avoir des contrats juteux. Ils peuvent te propulser en avant. Il y a des chaînes sur ton contrat. Il y a des chaînes sur ton entreprise. Il y a des chaînes sur ton ministère. Une femme qui est stérile a des chaînes sur ses entrailles. Un homme qui est tout le temps malade. Une famille dans laquelle il y a toujours des malades. Il y a toujours des maladies. Il y a des chaînes sur votre santé. Mais aujourd'hui, là où tu entends ma voix, au nom puissant de Jésus, quelle que soit la durée de ces chaînes, quel que soit le nombre de ces chaînes, quel que soit le poids de ces chaînes, quelle que soit la longueur de ces chaînes, que tu es déployé contre ton ministère, que tu es déployé contre tes affaires, que tu es déployé contre ta santé, que tu es déployé contre ton travail, que tu es déployé contre tes finances, que tu es déployé contre ton foyer. Aujourd'hui, ces chaînes tombent. Aujourd'hui, ces chaînes tombent. Aujourd'hui, ces chaînes tombent. Aujourd'hui, ces chaînes tombent. Aucun lien ne restera sur toi. 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 Que ce soit dans ta santé, les liens tombent. Que ce soit dans tes études, les liens tombent. Que ce soit dans tes affaires, les liens tombent. Aucune chaîne ne résiste à la puissance du Saint-Esprit. Je libère l'onction et elle atteint le domaine dans lequel le diable t'avait enchaîné. Même s'il avait mis 3 chaînes, c'est pas mon problème. Même s'il avait mis 6 chaînes, c'est pas mon problème. Même s'il avait mis 22 chaînes, c'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'au nom de Jésus, aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, tes affaires sont délivrées. Aujourd'hui, tes entrailles sont délivrées. Aujourd'hui, ton travail est délivré. Aujourd'hui, ton ministère est délivré. Aujourd'hui, ta santé est délivrée. Aujourd'hui, donc ta destinée est délivrée. Aujourd'hui, ton mari, tes enfants sont délivrés. Ta femme est délivrée. Aujourd'hui, ton argent est délivré. La pauvreté qu'on voulait t'imposer, elle retourne à l'envoyeur. Les maladies qu'on voulait t'imposer, elles retournent à l'envoyeur. Quels que soient les liens dans lesquels tu avais été, que ces chaînes-là soient venues du côté paternel, que ces chaînes-là soient venues du côté maternel. Je rentre dans le côté paternel. Je rentre dans le côté maternel. Et au nom puissant de Jésus, j'annonce ta délivrance. Je proclame 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 ta délivrance. Tu es libre. Au nom de Jésus. Aucune chaîne n'a le pouvoir de résister au nom de Jésus. En Somme chapitre 31, versets 4 à 5, il dit: tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, ô Dieu de vérité. Dieu est prêt à te délivrer et aujourd'hui même. Je ne te dis pas demain, je dis aujourd'hui. Il te délivre, il te délivre, il délivre ce qui t'appartient, qui avait été enchaîné. Ton caractère peut avoir été enchaîné. Il y a une attitude que tu as. Tu veux changer, mais tu n'arrives pas à changer. Tu veux arrêter, tu n'arrives pas à arrêter. Il y a des liens qui parlent. Ce sont des chaînes spirituelles, cette fois-ci, qui parlent. Mais le Seigneur te délivre aujourd'hui. Et tu es libre de ces liens. Au nom de Jésus. Comment faire tomber ces chaînes?
Dans le cas de Pierre, je t'ai dit que ses chaînes étaient physiques, mais Dieu les a quand même fait tomber. Il n'y a rien qui puisse arrêter la puissance de ton Dieu. Rien. Il n'y a aucune force, aucun nom qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre, sous la terre plus bas, sous les eaux plus bas que la terre. Quel que soit l'endroit où tu veux, aucun nom ne peut résister au nom de Jésus. Jésus est plus grand que tous les noms. Jésus est l'homme fort qui est plus fort que tous les hommes forts. Donc, quel que soit l'état dans lequel tu peux être, il y a une bonne nouvelle pour toi. La grâce de Dieu te délivre aujourd'hui. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est comment faire tomber les chaînes. Parce que les chaînes de Pierre qui ont été utilisées par Hérode pour le lier ont fini par tomber. Mais comment est-ce que les chaînes sont-elles tombées? Par quelles armes? Et quels sont les moyens qui ont été utilisés pour faire tomber ces liens-là? Mets chez toi numéro 1. Je t'ai dit que si tu prends la décision de suivre mes programmes, il faut toujours avoir obligatoirement ta Bible. Et il faut aussi avoir de quoi noter, de quoi écrire, un bloc-notes, un stylo, parce que je te donnerai toujours de quoi écrire. Donc, numéro 1. Donc, je dis quoi? Par quoi? Ou du moins, comment faire tomber les chaînes? Comment faire tomber les chaînes? Donc, numéro 1. La Bible dit, numéro 1, si tu as noté, tu me mets amen. Numéro 1, par la prière. Donc, comment faire tomber les chaînes? Les chaînes qui liaient Pierre étaient physiques. Pierre était dans une prison physique. Mais toi, tu n'es pas dans une prison physique. Tu peux être dans une prison spirituelle. Et j'en ai parlé et j'ai prié pour toi. Et je vais te montrer maintenant par quel moyen tu peux faire tomber ces chaînes spirituelles. Quand tu les localises, quand tu les remarques dans ta vie, quand tu sais que quelque part quelque chose ne va pas, par quel moyen tu peux faire tomber ces chaînes? Donc, numéro 1, tu peux faire tomber les chaînes par la prière. Donc, note ça. Numéro 1, tu fais tomber les chaînes par la prière. Actes chapitre 12, verset 5 dit, Pierre donc était dans la prison, était gardé dans la prison lié. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Écoute-moi bien. Donc, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, je t'ai dit comment faire tomber les chaînes. Numéro 1, par la prière. Tu fais tomber toutes sortes de chaînes spirituelles dans ta vie par la prière. Ici, les chaînes ont été physiques. Et donc, même si tu es dans des chaînes physiques et que tu entends ma voix, le Seigneur est capable de te délivrer de ces chaînes physiques au nom de Jésus. Donc, tu fais tomber les chaînes par la prière. Frère, si le nom de Jésus est une arme, écoute-moi attentivement. Si le nom de Jésus est une arme, si nous sommes d'accord que le secours se trouve dans le nom de l'Éternel, or le nom de l'Éternel, c'est Jésus. La Bible dit en Matthieu chapitre 1, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit, comme il y pensait, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 5, comme il y pensait, un ange du Seigneur se révéla à lui et dit, Joseph, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le nom de Jésus, si nous sommes d'accord que le nom de Jésus est ce nom-là qui sauve, est une arme puissante pour apporter le salut, je vous informe, bien-aimés, je vous dis, frères et sœurs, que la gâchette qui active et qui lance le nom de Jésus, qui libère la puissance qui est dans le nom de Jésus, c'est la prière. Donc, si le nom de Jésus est une arme, la prière en est la gâchette. La prière en est la gâchette. Si le nom de Jésus est une arme, la prière en est la gâchette. Et c'est la prière qui déclenche la puissance de Dieu pour qu'elle puisse se manifester dans la vie de l'enfant de Dieu lorsqu'il a besoin du secours de la part du Seigneur. La Bible dit
dit en Actes 12, 5, que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église a commencé à comprendre que si elle ne prie pas, de même que Hérode a tué Jacques, Hérode tuera Pierre. Et quand Hérode finira de tuer Pierre, il viendra attaquer Jean. L'église a compris que si elle ne prie pas, Hérode se mettra à l'aise. L'église a compris que si elle ne prie pas, Hérode va la décimer en profondeur. L'église a compris que si elle ne prie pas, Hérode va continuer à la piller et à continuer à la maltraiter. Frère, si tu ne pries pas, le diable continuera de te maltraiter. Si tu ne pries pas, la sirène des eaux continuera de te maltraiter. Si tu ne prie pas, le mari de lui ne va pas arrêter de te perturber. Si tu ne prie pas, la femme de lui ne va pas arrêter de te perturber. Si tu ne prie pas, le péché ne va pas arrêter de te perturber. Si tu ne prie pas, l'ennemi ne va pas arrêter de voler ce qui est à toi. Si tu ne pries pas, le diable ne continuera à maltraiter tes enfants. Il continuera à malmener ta femme. Il continuera à mettre ton foyer sans dessus, dessous. Il continuera à voler ton travail. Il continuera à mettre le désordre dans ta vie. Si tu ne pries pas, Satan ne s'arrêtera pas. L'arme par laquelle tu peux le stopper aujourd'hui où tu m'écoutes, c'est la prière. Il faut que tu comprennes que la prière est la gâchette qui active la puissance de Dieu. Par la prière, tu peux changer les situations de ta vie. Par la prière, tu peux rendre favorable à ton égard, disposer à ton égard ce qui n'était même pas à ton avantage. C'est par la prière que certaines situations changent. C'est par la prière que certains démons sont chassés. Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus dit, mais je vous dis que cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu ne sais pas quel genre de démon qui t'attaque. Tu ne sais pas quel genre de démon qui se lève contre toi. C'est la prière seule qui peut bousiller le camp de l'ennemi afin de t'accorder la liberté. Si tu as des chaînes dans ta vie et tu veux que ces chaînes là tombent, tu dois commencer à composer avec la prière. Tu ne dois pas continuer à négliger la prière. Tu ne dois pas continuer à mettre la prière de côté. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir tous les jours, en train de dormir. Tu te couches à 21h, tu te réveilles à 6h du matin, tu vas au travail. Tu relèves, tu te couches à 21h, tu te réveilles à 6h du matin, tu vas au travail. Si tu vis de cette manière-là, de même que Hérode s'est mis à maltraiter l'église, Hérode te maltraitera. Les esprits impurs te maltraiteront. Tu passeras tes journées que dans les mauvaises nouvelles. Tu vas expérimenter blocage sur blocage. Tu vas expérimenter problème sur problème. Même quand tu vas te battre pour que les choses changent, les choses ne changeront pas. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas la gâchette que Jésus a mise à ta disposition, qui est la prière. Tu dois te lever pour prier et les choses vont changer. Ce que tu n'aimes pas dans ton existence, ce que tu n'aimes pas dans ta vie, ce qui ne te plaît pas dans ta vie, ce qui ne te plaît pas dans ton propre caractère, ce qui ne te plaît pas dans le caractère de ton mari, ce qui ne te plaît pas dans le caractère de ta fiancée ou de ton fiancé, ce qui ne te plaît pas dans ton travail, peut être changé au moyen puissant et spirituel de la prière, de la prière. Je répète, Actes 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église a commencé à élever des prières persistantes vers Dieu pour Pierre. L'église a commencé à élever des prières ferventes vers Dieu pour Pierre. L'église a commencé à élever des prières insistantes vers Dieu pour Pierre. L'église a compris qu'elle pouvait arrêter Hérode. Je t'informe, tu peux arrêter le démon qui te tourmente. Je t'informe, tu peux arrêter l'hégémonie de la maladie héréditaire qui te tourmente. Je t'informe, tu peux arrêter l'hégémonie financière, la saignée financière, l'hémorragie financière qui est dans ta vie par la prière. Tu peux arrêter la puissance de la mort prématurée par la prière. Tu peux arrêter la puissance des attaques spirituelles dont tu es victime toutes les nuits ou pendant le jour dans la prière. Tu peux arrêter le stress et la pression par la prière. Tu peux dégager ton atmosphère par la prière et rendre les choses favorables avec toi. La prière te permet d'activer la puissance de Dieu parce qu'elle te met en contact avec Dieu. La prière dispose d'une atmosphère favorable à l'égard et à l'avantage de celui qui prie. Jésus-Christ a dit en Luc chapitre 18, verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre
3, verset 21, la Bible dit encore au sujet de Jésus, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. La Bible dit encore toujours au sujet de Jésus, en Luc chapitre 5, verset 16, et lui se retirait dans les déserts et priait. La Bible dit encore en Matthieu chapitre 14, verset 23, toujours au sujet de Jésus, que et quand il lui renvoyait, en parenthèse, toute la foule, tout le peuple, il se retira sur la montagne pour prier à l'écart. Il y a une puissance dans la prière. C'est pour cela que Jésus lui-même la pratiquait. Luc chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit que lorsqu'il fut fini de prier, les disciples lui disent, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier. En Matthieu chapitre 6, verset 5, Jésus dit, lorsque vous priez, Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, mais quand tu pries, Matthieu chapitre 6, verset 7, il dit, en priant, Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Jésus a pratiqué la prière parce que la prière est l'arme qui déclenche la force de Dieu. Est la gâchette qui déclenche la force de Dieu. Est la gâchette qui déclenche la puissance de Dieu. Tu peux changer le cours de ton existence par la prière. Tu peux changer le cours de ton existence par la prière. Tu peux changer le cours de ton existence par la prière. En Luc chapitre 1 verset 10, la Bible dit, le peuple était dehors priant à l'heure du parfum. Luc chapitre 1 verset 13, la Bible dit au sujet de Zacharie, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. La femme de Zacharie était stérile. Élisabeth était stérile. Elle était âgée, vieille. Zacharie était vieux. Il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais l'ange lui donne une information et l'ange nous donne la révélation. Il dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucé. Frère, la prière de Zacharie a fait taire la voix de l'âge. La prière de Zacharie a fait taire la voix de la vieillesse. Je te dis une chose, si seulement tu peux écouter ma voix et te laisser transpercer par le Saint-Esprit et que tu prends la décision de commencer à prier, tes affaires changeront de nature. Ton ministère changera de dimension. Ton foyer changera d'atmosphère. Ta santé prendra une toute autre tournure. Tes finances prendront une toute autre tournure. En Luc chapitre 2, verset 34, la Bible dit, restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. La Bible dit en Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 2, au sujet de Corneille, que cet homme craignait Dieu. Cet homme était pieux, il craignait Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup de monde au peuple. Et il priait Dieu continuellement. En Actes chapitre 10, verset 9, la Bible dit, au sujet de Pierre et au sujet des personnes que Corneille avait envoyées vers lui, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier. C'était la sixième heure. La Bible dit en Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1, que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième. Il y a une puissance dans la prière. Si tu te lèves pour prier, les choses vont changer à ton égard. La Bible dit en Somme chapitre 32, verset 6. Ainsi donc tout homme pieux te prie au temps convenable. Et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. La prière te protège des attaques spirituelles. Il y a une puissance dans la prière, frère. La Bible dit en Luc chapitre 21, verset 36, Jésus dit à ses disciples, veillez donc et priez afin que vous ayez la force. Veillez donc et priez afin que vous ayez la force de supporter ces choses qui arriveront. Veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront. Il dit, et peut-être de pouvoir vous présenter digne devant le Fils de l'homme. Alléluia. Il y a une puissance dans la prière. La Bible dit en Luc chapitre 22, du verset 39 au verset 46, un véritable hymne à la prière. La Bible dit, après qu'il soit sorti de ce lieu, Jésus se rendit sur la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Au verset 40, lorsqu'il arriva dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et s'étant éloigné d'eux,
Ensuite, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. » La Bible dit au verset 43 que « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Au verset 45, la Bible dit, « Étant en agonie, il pria plus instamment. » Et lâchait sa sueur, devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. La Bible dit au verset 45, après avoir prié, il se leva et partit vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a une puissance dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23, dit ceci. De manière claire et de manière nette, ils établissent des anciens dans chaque église et après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains. Et Actes chapitre 12, verset 6, la Bible dit au Makarabasé qui était brûlé, au verset 7. Verset 6, la Bible dit que Pierre était lié de deux chaînes. Mais dans ce temps, verset 5, l'église priait. Au verset 7, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté. Il dit, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent. Les chaînes de Pierre sont tombées parce que quelqu'un priait là-bas. Les chaînes de Pierre sont tombées parce que quelqu'un priait là-bas. C'est pourquoi je te dis qu'il y a une puissance dans la prière. Si tu te lèves pour prier, les chaînes qui sont dans ta vie tomberont. Les chaînes qui ont été placées devant ton entreprise pour que tu ne puisses jamais dépasser un certain niveau, ces chaînes-là, ces liens-là, ils tomberont. Même si ce sont des démons qui ont été placés devant tes études pour que tu n'arrives jamais à un niveau supérieur, ce démon-là, il fléchira genoux. Même si ce sont des maladies qui ont été placées dans ta famille pour que jamais vous ne soyez en bonne santé ou que votre argent ne serve qu'à aller dans les hôpitaux, cette maladie tombera. Parce que l'église priait, les chaînes de pierre sont tombées. Aujourd'hui, je prie pour toi. Aucune chaîne dans ta vie ne résistera et ne traversera cette journée. Les chaînes qui sont dans ta vie tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kayabasa katabra. Il y a une puissance dans la prière. Je t'ai dit comment faire tomber les chaînes. Comment faire tomber les chaînes? Numéro 1, par la prière. Par la prière. Frère, la prière fonctionne, la prière marche. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent plus prier. Ils cherchent la facilité. Ne cherche pas la facilité. Affronte, prie le Seigneur. Lève-toi au milieu de la nuit pour prier. En Jean chapitre 5, du verset 13 au verset 18, la Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui prie? Quand tu souffres, prie. Ne te lamente pas. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Voici ce que Jacques a dit. Ça, c'est le deuxième Jacques. Le premier, le frère de Jean a été tué. C'est lui qui a été tué dans Jacques, dans Actes 12, verset 1 à 2. La Bible dit celui qui est dans la souffrance, prie. Le deuxième Jacques, c'est le frère du Seigneur. Que celui qui est dans la souffrance, prie. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. La situation et la circonstance que tu es en train de vivre qui est défavorable ne peut jamais changer par tes murmures. Les murmures ne changent pas de situation. C'est la prière qui change les situations. La prière change les situations. La Bible dit que si quelqu'un parmi vous, toujours Jacques chapitre 5, verset 13, à partir du verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Afin qu'il prie pour lui, que les anciens prient pour lui, qu'il loigne d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La Bible, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière agissante du juste a une grande efficacité. Ayamadaba. Au verset 17, la Bible dit au sujet d'Élie, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance qu'il ne pleuve point sur la terre et le ciel ne donna point de pluie. Il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Tu as entendu? Et le ciel donna sa pluie. Et la terre produisit son fruit. Tu vas être productif quand tu vas commencer à prier. Ton foyer connaîtra la paix. Et les petits démons en stage
qui active les guerres et les querelles dans ta maison tomberont et seront chassés. Le célibat chronique qui te tient et qui ne veut pas que tu te maries. Chaque fois que tu vas aller de l'avant dans une relation, il y a un problème et ça se gâche. Quand tu vas commencer à prier, ce célibat-là, il va fermer sa bouche, il va disparaître de ta vie et tu pourras rentrer dans le mariage. La prière va décanter la situation. La prière va te rendre productif dans tous les domaines de ta vie. Si tu es stérile, tu pries. Par la prière, tu vas enfanter. Genèse chapitre 25, verset 21 dit, Isaac invoqua le Seigneur pour sa femme Rebecca parce qu'elle était stérile et Rebecca enfanta. La prière change toutes les situations. Prie, arrête de te plaindre, arrête de murmurer, arrête de prendre ton téléphone pour bavarder avec des gens pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, il n'y a rien dedans. Prie et Dieu changera ta situation au nom de Jésus. De même que les chaînes de pierre sont tombées, tes chaînes spirituelles tomberont au nom de Jésus. Et je prophétise sur ta vie que là où tu m'écoutes aujourd'hui, quelles que soient les chaînes et les liens dans lesquels tu es, je prie pour toi, elles sont tombées. Et je te vois toi-même devenir une machine à prière au nom de Jésus. Numéro 2, comment faire tomber les chaînes? Numéro 2, en obéissant à la parole de Dieu. Donc je t'ai dit numéro 1, en faisant quoi? Par la prière. Numéro 2, en obéissant à la parole de Dieu. La Bible dit en Actes chapitre 12, verset 7, regardez bien, verset 8 du moins. Et l'ange lui dit, verset 8 au verset 9, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9, Pierre sortit et le suivit. Tu peux faire tomber les chaînes en obéissant à la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes se sont mises dans des liens et dans des problèmes en désobéissant à la parole de Dieu. Psaume chapitre 107, versets 10 à 11 disent, Psaume chapitre 107, les versets 10 à 11 disent ceci. Ceux qui avaient leur demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Psaume chapitre 107. Verset 10 à 11. La Bible dit que ceux qui avaient leur demeure dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Verset 11 nous dit pourquoi. Verset 11 dit parce qu'ils ont repoussé, rejeté la parole de Dieu. Parce qu'ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Donc, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu et parce qu'ils ont repoussé le conseil du Très-Haut. Donc, tu peux te mettre toi-même dans des liens en refusant d'obéir à la parole de Dieu. Frère, les chaînes qui sont dans ta vie peuvent tomber aussi après la prière que je t'ai donnée comme premier point. Les chaînes peuvent tomber aussi en obéissant à la parole de Dieu. Si tu fais ce que Dieu dit de faire, si tu fais ce que Dieu recommande, tu ne peux pas rester et demeurer dans les liens. En Jean chapitre 8, verset 34-35, Jésus dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Mais par exemple, la Bible recommande de vivre dans la sainteté. Mais la Bible dit que quand celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc le fait de désobéir à la parole de Dieu te met de facto sous l'autorité du diable et de ce à quoi tu as obéi. Mais le contraire peut te délivrer de ce à quoi tu avais obéi et qui te faisait esclave. Donc, il t'a dit le premier point, comment faire tomber les chaînes? Par la prière. Deuxième point, en obéissant à la parole de Dieu. Quand l'ange, en Actes 12, 6 à 7, l'ange a dit à Pierre, il dit, mets ta ceinture, mets tes sandales, couvre-toi de ton manteau et suis-moi. La Bible dit au verset 9 que Pierre sortit et le suivit. Pierre le suivit. C'est l'ange du Seigneur qui est venu. Au verset 6, Pierre le suivit. Donc, suis le Seigneur, frère. Suis le Seigneur, ma soeur. Dieu te dit, laisse l'ivrognerie, arrête avec l'alcool. Dieu te dit, laisse l'impudicité, arrête avec l'impudicité. Dieu te dit, laisse l'adultère, laisse affaire d'adultère. Dieu te dit, laisse la pornographie, arrête de regarder ce genre de film, ça va te faire du mal, arrête. Dieu te dit, laisse le mensonge, arrête. Tout ce que Dieu te dit de ne pas faire, ne le fais pas.
Et ce que le Seigneur recommande, c'est ce que tu dois observer afin que tu sois libre. À Jean 8, verset 34, Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et il explique, il dit, au verset 35, il dit, mais l'esclave ne demeure pas à toujours dans la maison, mais le fils, lui, il demeure. Quand tu deviens esclave du péché, tu n'es plus fils, tu n'es plus fille, tu es esclave du péché. Et tu ne peux pas demeurer dans la maison de Dieu, tu ne peux même pas rentrer au ciel. Tu peux faire tomber les liens qui sont dans ta vie. Par quoi? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a tout fait. Soumets-toi à Jésus et suis-le. En Somme chapitre 33, verset 6, la Bible dit que les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Et leur armée par le souffle de sa bouche. En Jean chapitre 1, verset 1 à 4, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Suis la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Il y a tout dedans. En Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit à ses disciples, après qu'il a donné l'enseignement sur le pain qu'il est, et beaucoup l'avaient quitté, Jésus explique à ses disciples, ils avaient été scandalisés, ils disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mais par les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Frère, obéis à la parole de Dieu. Suis Jésus. Si tu as décidé de devenir chrétien, vis comme un chrétien. Ne vis pas comme un païen. Vis comme un chrétien. Fais les choses que la parole de Dieu recommande. Lis la Bible. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent pas la Bible? C'est lamentable. J'arrive pas à comprendre. C'est comme si vous me disiez que l'architecte ne lit pas les livres de l'architecture. C'est quand même bizarre. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Mais c'est pour cela qu'on vous ment et on vous blague facilement. C'est pour cela que les gens vous enveloppent et vous en voûtent facilement. Parce que vous n'avez aucun bouclier, aucune protection, aucune connaissance. On peut facilement vous envenimer et vous détourner de la voie de la vérité parce que vous n'avez rien à répliquer. En Matthieu chapitre 4. À partir du verset 1, Jésus est rentré dans le désert pour se faire tenter par le diable. À partir du verset 2, on dit la journée 40 jours, 40 nuits. Après, qu'il lui fait après cela. Et le diable est venu pour le tenter. Jésus s'est défendu avec la parole de Dieu. Si c'était toi, tu allais te défendre avec quoi? Puisque le diable, à un moment, a utilisé les Écritures. Tu allais te défendre avec quoi? Le monde dans lequel nous sommes est trop dangereux. Lis la Bible, frère. Lis la Bible, ma soeur. Toi-même, lis la Bible. Lis la Bible, vérifie. Acte chapitre 17, verset 13. La Bible dit que c'est que les chrétiens de Béret étudiaient, ils vérifiaient, ils regardaient dans les Écritures eux-mêmes, ils sondaient eux-mêmes les Écritures, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que Paul et Silas avaient prêché là, si c'était exact. Ils s'en foutent de qui est Paul. Ils s'en foutent de qui est Silas. Ne regarde pas le titre du prédicateur. Ne regarde pas le respect que tu as pour le prédicateur. C'est un homme. Lis la Bible, vérifie si ce qu'on te dit là, c'est vrai. Quand c'est vrai, tu suis. Quand c'est pas vrai, tu ne suis pas. C'est pour cela que beaucoup se font berner aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont leur droit lésé parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. Lis la Bible, frère. Lis la Bible. Moi, personnellement, je ne considère pas chrétien quelqu'un qui n'a jamais pris son propre argent pour acheter une Bible. Je ne considère pas que tu es chrétien. Pour moi, tu es un païen. Si tu n'as jamais pris ton propre argent pour acheter une Bible, pour moi, tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Tu ne peux pas passer ton temps à fonctionner avec des Bibles gratuites. C'est une insulte vis-à-vis de Dieu. C'est une insulte vis-à-vis de Dieu. Tu comptes une Bible gratuite et tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Prends ton argent, achète toi-même une Bible. Et puis lis la Bible. C'est à ça que je vous exhorte. Ésaïe chapitre 40, verset 8 dit, la fleur sèche, l'herbe tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Matthieu chapitre 24, verset 35, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Apocalypse chapitre 19, verset 13, au sujet de Jésus, la Bible dit, son nom est la parole de Dieu. Et Yagada,
Somme chapitre 107, verset 2, la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu. Lis la Bible, frère. Obéis à la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lis la Bible et suis la parole de Dieu. Ne te rebelle pas contre la parole de Dieu. Ésaïe 40, verset 8. Ne te rebelle pas contre la parole de Dieu. J'avais cité Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais les paroles de la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et après, j'ai cité Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lis la Bible, lisez, je vous en supplie. Les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes là sont trop dangereux. Le monde est devenu plus spirituel qu'avant et plus dangereux et plus mauvais qu'avant. Lisez la Bible. Et j'ai dit que moi, je ne considère pas comme chrétien quelqu'un qui n'a jamais pris son propre argent pour acheter Bible, mais qui fonctionne sur les Bibles gratuites. Pour moi, tu n'es pas chrétien, tu es un païen. Tu seras chrétien le jour où tu vas prendre ton propre argent pour acheter une Bible. Là, tu commences à être chrétien. Donc, si tu ne l'as jamais fait, après ce programme, va acheter une Bible. Et Dieu commence à... Lis la Bible! Lis la Bible! Acte, je t'ai donné Acte 17, verset 13. Non? On dit que ces chrétiens avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il y a des gens aujourd'hui qui fonctionnent en fonction du prédicateur. Non, l'homme de Dieu n'est pas me mentir. Oui, il ne peut pas te mentir, mais vérifie qu'il ne t'a pas menti. C'est tout. Il ne peut pas te mentir, d'accord? Maintenant, vérifie qu'il ne t'a pas menti. Lis la Bible, ouvre. Quand tu me vois en train de donner les versets, c'est pour que tu aies la possibilité de vérifier et que tu puisses aussi avoir cette soif-là toi-même de bosser les Écritures. C'est ça un vrai chrétien. Il lit la Bible. Et il peut obéir à la Bible. En Somme chapitre 107, verset 9, Somme chapitre 119 du moins, verset 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En s'orientant d'après ta parole. En s'orientant d'après ta parole. Somme 119, verset 9. En s'orientant d'après ta parole. Et au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Suis la Bible. Suis la parole de Dieu. Assis-toi, mets du temps à côté. Tu vas peut-être me dire, homme de Dieu, évangéliste, j'ai pas le temps. Frère, dans le monde, un homme de Dieu a dit, le monde dans lequel on est là, personne n'a le temps. Les gens créent le temps. Et il a parfaitement raison. Il dit, personne n'a le temps. Mais les gens créent le temps. On crée le temps. Personne n'a le temps. Tu as le temps d'aller au travail, non? Et tu crées le temps. Tu as le temps de regarder la télévision. Donc tu crées le temps pour ça. Tu as le temps de manger, tu crées le temps. Donc si tu aimes vraiment Dieu, et si tu aimes vraiment ta propre vie, crée le temps pour lire la Bible. Crée le temps pour prier. Ne me dis pas, je n'ai pas le temps pour prier. Crée le temps pour prier. Crée le temps. Aujourd'hui, dans ce monde-là, personne n'a le temps. Mais chacun crée le temps en fonction de l'importance qu'il accorde à une activité, à un domaine. Crée le temps. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Alléluia. Dieu se glorifiera dans ta vie. En Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Frère, lis la Bible. Et tout lien qui est présent dans ta vie tombera. Tu vas voir. Satan ne peut pas maintenir esclave quelqu'un qui connaît les Écritures. Ce n'est pas possible. La maladie ne peut pas te vaincre quand tu connais la Bible. La maladie peut te vaincre quand tu ne connais pas la Bible. Dans la Bible, il y a trop de versets qui démontrent que tu as la puissance d'être libre de toute maladie. Personne ne peut t'arnaquer spirituellement au nom de Jésus si tu connais la Bible. Si tu as le réflexe de lire la Bible et de vérifier, on ne peut pas te mentir. On ne peut pas te mentir. Mais si on arrive à te berner, à te mentir et à t'escroquer au nom de Jésus, sans que Jésus ne participe et ne soit au courant, c'est parce qu'on sait que tu ne connais pas les Écritures.
C'est parce qu'on sait que quelqu'un sait que tu ne connais pas les Écritures. Il vient, il s'assoit devant toi, il raconte sa vie, tu dis Amen, il te dépouille et puis il s'en va. Mais quand tu connais les Écritures, tu ne peux pas être une victime. Ce soir, ce jour du moins, je prophétise dans ta vie. De même que tu entends cette voix et cette parole, tu deviendras à partir d'aujourd'hui une machine à lire la Bible. Par la puissance de Dieu, que la soif et la faim de lire et d'étudier les Écritures soient créées dans ton cœur. Au nom de Jésus, chaque fois que tu veux lire la Bible, si tu avant, tu avais sommeil ou tu étais fatigué, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus sommeil. Tu ne seras plus fatigué, mais tes yeux seront clairs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, j'espère que tu es en train d'être béni, ma soeur. J'espère que ce message est en train d'apporter quelque chose dans ta vie. Troisièmement, donc, premièrement, je t'ai dit quoi? Comment faire tomber les chaînes? Numéro un, par la prière. Par la prière. La Bible dit en Somme chapitre 107, verset 13 à 14. Et dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Actes chapitre 16, verset 25 à 26, la Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Verset 26, tout à coup il y a eu un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison s'ébranlèrent. Les portes des prisonniers s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. La prière fait tomber les chaînes. La prière rompt les liens. Si tu deviens une personne de prière, ta vie va changer. Parce que Dieu est prêt à t'exaucer quand tu vas prier. Jérémie 29, verset 12, il dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. » Marc chapitre 11, verset 20, 24, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Prie, Dieu va changer ta vie. Je t'ai dit aussi le numéro 2. Comment faire tomber les chaînes? En obéissant à la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu si tu ne la connais pas. Fais, aide la soif dans ton cœur d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Les gens ne peuvent plus écouter la prédication pendant une heure. Ils peuvent écouter 10 minutes, 15 minutes, ils sont fatigués, ils changent. Et on a ça sur Facebook. On a des personnes qui passent d'un direct à un autre très facilement. Ils font un direct 15 minutes, ils écoutent un peu l'homme de Dieu qui prêche 15 minutes, après ils coupent. Ils s'en vont sur un autre. Ils écoutent un peu 15 minutes, après ils coupent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est pas la vie chrétienne, ça. Ça, c'est quoi? Si tu n'es pas capable de t'asseoir pour écouter la parole de Dieu pendant une heure, c'est que tu n'es pas converti. Il y a un lien quelque part. Il y a un lien qui travaille contre toi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Et la passion de la parole de Dieu t'envahit. Numéro 3, comment faire tomber les liens? Par l'offrande. Par l'offrande. En Juges chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 18, la Bible raconte que le peuple d'Israël avait péché encore contre l'Éternel. Donc l'Éternel les a livrés à Madian. Et Madian, soutenu par les Amalécites, ont commencé à maltraiter les Juifs. Et les Juifs souffraient beaucoup. La majorité des Amalécites, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à la récolte, ils laissaient les Juifs s'aimer. Et puis à la récolte, ils arrivent, à la moisson, ils arrivent. Et puis ils détruisaient toutes les récoltes des Juifs pour les affamer. Donc du coup, les Juifs n'avaient rien. Ils ne volaient pas, ils détruisaient tout. Ils se comportaient comme des démons. Ils détruisaient tout. Et puis les Juifs se retrouvaient sans nourriture. Ça commençait à être difficile. Ils vivaient dans les cavernes, dans les vallées, sur les montagnes, sur les rochers. Ils fuyaient tout le temps. Donc fatigués, ils ont commencé à invoquer le Seigneur. Là, je suis dans Juges, chapitre 6, verset 1 à 18. Ils ont invoqué le Seigneur. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu a envoyé un homme de Dieu, un prophète, pour les reprendre. Pour dire, je vous ai délivré de l'Égypte. Comment vous m'avez dit merci en vous détournant de moi pour aller après d'autres dieux? Donc Dieu n'était pas content. C'est pourquoi il les avait punis. Et après cet épisode, le Seigneur a regardé son amour et son alliance et l'obéissance d'Abraham. Et le Seigneur, à partir du verset 11, s'est révélé par son ange à Gédéon. Et il lui a dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. N'est-ce pas? Et donc, à partir de cet instant, il a dit à Gédéon, va et délivre, n'est-ce pas, Israël, mon peuple, de la main de Madian. Gédéon lui demande, comment irais-je délivrer Israël de la main de Madian? Et puis,
L'Éternel dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, verset 17-18, donne-moi un signe qui me prouve que c'est toi, Éternel, qui me parle. Attends ici que j'aille chercher mon offrande et que je t'apporte mon offrande. Et Dieu dit, va, je t'attends. Et Gédéon est parti, il a envoyé son offrande. Et Dieu a fait monter le feu dans l'offrande et Gédéon a vu que c'était vraiment l'Éternel. Donc, pour que Israël soit délivré du joug de Madian, Gédéon a fait une offrande afin que Dieu prouve que c'est lui qui parle. Donc, si tu as prié, tu vois que la situation perdue, tu es à fond dans la parole de Dieu, tu vois qu'il y a encore des trucs. Il y a aussi le sacrifice, il y a aussi les offrandes, il y a aussi les dîmes. Ne sois pas avare. Un chrétien qui est avare, il a déjà un autre Dieu, c'est Mammon. Ne sois pas avare, sois libéral. C'est ce que je dois accomplir. Je dois être en face de l'Éternel. Il dit, donne-moi un signe qui me prouve que c'est toi qui me parles. Et l'Éternel, et il dit, reste ici et j'apporterai mon offrande. Donc, si vous comprenez bien le fond, ce que je dois être en train de nous dire, si l'Éternel ne reçoit pas son offrande, si son offrande n'est pas agréée, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui parle. Donc, Dieu qui vient pour apporter la délivrance à Israël, fonctionne avec l'offrande. C'est ce que Gédéon nous enseigne. Que la preuve que c'est toi qui as délivré nos pères de l'Égypte, c'est l'offrande. C'est par l'offrande que je saurai que c'est toi qui vas agir. Puisque c'est par l'offrande que Dieu a promis à Abraham que même si sa descendance allait être esclave pendant 400 ans dans un certain royaume, il délivrerait ce royaume-là. Abraham, ce jour-là, a fait des offrandes à Dieu, des différents animaux qu'il a coupés en deux et qu'il a posés devant Dieu. Et la Bible dit que le feu est passé au milieu de ces animaux et les ténèbres sont descendues et Abraham était rempli de frayeur. Donc, Gédéon a vérifié pour voir si c'est vraiment l'Éternel. Et par quel moyen a-t-il vérifié? Par l'offrande. Il dit, je vais apporter mon offrande. Frère, si tu veux que définitivement des liens tombent de ta vie et que tu ailles de prospérité en prospérité, je t'encourage à ne pas être avare. Sois libéral. Donne à Dieu. Donne l'argent à Dieu. N'aie pas de problème avec ça. Seuls les gens charnels ont un problème avec l'argent. Quand tu ne peux pas donner ton argent à Dieu, c'est que tu ne lui fais pas confiance. Quand tu ne peux pas donner ton argent à Dieu, c'est que tu ne l'aimes pas. Quand tu ne peux pas donner ton argent à Dieu, c'est que tu ne crois pas du tout en lui. Parce qu'un homme de foi donne à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 17. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, son fils unique, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. En Jean chapitre 3, verset 16, la Bible, Dieu a prouvé son amour envers nous. Par les paroles que Jésus a dites, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour que Dieu gagne les hommes, sa puissance ne suffisait pas. Il fallait une offrande. Il a offert son propre fils. Donc, tu ne peux pas te contenter que de prières. Tu ne peux pas te contenter que de déclarations de la parole de Dieu. Il faut aussi être libéral. Paye ta dîme à Dieu. Paye tes offrandes. Je l'ai déjà dit et je le répète et je ne me lasserai pas de répéter les mêmes choses. Autant que ça peut aider quelqu'un qui m'écoute ou quelqu'un qui m'écoutera. Seuls les gens charnels, seuls les chrétiens charnels ont un problème avec la dîme. Aucun chrétien spirituel ne peut être contre la dîme. Personne qui est spirituel, qui est converti, qui aime Dieu, qui a confiance en Dieu, ne peut avoir un problème avec la dîme ou avec les offrandes. Seuls les chrétiens charnels sont gênés dès qu'on parle d'argent. Ils ne sont pas convertis. Ne marche pas avec ce genre de personnes et ne te fatigue pas à écouter ça, à discuter avec eux. Toi, fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. En 1 Roi chapitre 17, du verset 1, du verset 1 Roi chapitre 17, verset 8, Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et j'y ai ordonné là-bas à une veuve de te nourrir. La Bible dit qu'Élie s'est levé, il est parti. C'est du verset 8 au verset 16. Donc, 1 Roi, chapitre 17, verset 8 au verset 16. Donc, Élie s'est levé, il est parti à Sarepta. Quand il est arrivé à l'entrée de la ville, il y avait une veuve qui était là. Élie s'est assis sur un arbre. Il lui a dit, va me chercher de l'eau dans un vase et apporte-moi pour que je boive. La veuve est partie, elle a pris de l'eau dans le vase, elle a apporté à Élie, il a bu. Quand Élie a fini de boire, il dit, ok, fais-moi un gâteau pour que je puisse manger. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Là où je suis là, il ne reste qu'un peu de farine dans le pot
et un peu d'huile dans la cruche. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre, je fais un peu de pain pour mon fils et moi. Après, nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Parce que c'était la sécheresse, puisqu'Élie avait prophétisé qu'il ne pleuvrait pas sur tout le pays pendant sur tout le pays. Donc là, c'est 1 roi 17, verset 1. OK. Donc, quand la veuve a fini de dire ça à Élie, Élie dit, OK, fais comme tu as dit. Ça veut dire quoi? Ramasse tes deux bois, rentre à la maison, prends le peu de farine et le peu d'huile, fais du pain. Mais Élie ajoute, mais apporte-moi d'abord du pain pour que moi je mange. Car ainsi parle l'Éternel. La farine ne montera pas dans le pot et l'huile ne diminuera pas dans la cruche jusqu'à ce que l'Éternel ait fait pleuvoir sur le sol de la terre. Il dit, apporte-moi d'abord. Et la Bible dit que la veuve a obéi. Elle a fait le pain. Elle a apporté d'abord à Dieu. Quand Dieu, par son serviteur, a fini de manger, la Bible dit, effectivement, il ne manque, la farine ne manqua pas dans le pot, l'huile ne diminua point dans la cruche, et elle eut à manger pour elle et toute sa famille, et aussi pour Élie, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, si tu es libéral, la farine ne manquera jamais dans ta maison. C'est un symbole pour montrer que la nourriture ne manquera jamais, que tu seras dans l'abondance. L'huile ne diminuera jamais dans ta cruche. Tu seras toujours béni quand tu donnes à Dieu. Ce n'est pas discussion, ce n'est pas démonstration doctrinale. Moi, ce n'est pas mon problème que tu sois gêné par le fait qu'on parle d'argent, mais que tu ne sois pas gêné. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de t'enseigner la parole de Dieu telle qu'elle est, pour qu'en y croyant et en la mettant en pratique, tu sois heureux, toi et les siens, et les tiens, que vous soyez heureux, que vous prospériez. Ça, c'est mon problème. Donc, si ça te gêne, ce n'est pas mon problème. Dieu te soutiendra dans la vérité. La dame a donné d'abord à Élie, c'est ce qu'Élie lui a dit. Va et puis donne-moi d'abord. Donc donne d'abord à Dieu. Et tu verras que Dieu te donnera en retour. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. Si tu décides d'être avare, tu vas demeurer dans certains liens. Si tu décides d'être cupide, d'aimer l'argent plus que Dieu, tu vas demeurer dans certains liens. Mais si tu veux que ta vie aille de prospérité en prospérité, je t'ai dit, numéro 1, pour faire tomber les chaînes, il faut prier. La prière. Numéro 2, il faut obéir à la parole de Dieu. Numéro 3, il faut les offrandes. Pour que Gédéon devienne le héros que Dieu a dit qu'il est, il a fait son offrande à Dieu. Pour que la veuve de Sarepta ne meure pas et qu'elle ne manque pas de nourriture dans sa maison pour sa famille et elle, elle a dû d'abord donner à Dieu. Pour que Dieu nous gagne et que nous soyons ses enfants aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, il a donné Jésus. Pour que Abraham ait un nom et devienne le père de la foi. Et qu'il ait une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et plus nombreuse que les graines de sable qui sont au bord de la mer qu'on ne peut pas compter. Il a donné à Dieu. Donne à Dieu, sois libéral. Et aucun lien ne subsistera dans ta vie. Ne te mets pas dans les débats d'explication de « le pasteur veut prendre mon argent, si le pasteur prend ton argent, ton problème c'est quoi ?» Toi, tu prends sa prière, non ? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est Dieu, tu regardes. Regarde Dieu, regarde sa parole. Aucun homme dans ce monde ne peut donner une somme égale à l'onction. L'onction n'a pas de prix. C'est un acte d'amour. Les offrandes sont un acte d'amour. C'est vrai que nous donnons des offrandes à Dieu liées à une demande. Mais à la vérité, les offrandes sont un acte d'amour. Les offrandes sont un acte d'amour. Les offrandes sont un acte d'amour. Les offrandes sont un acte de confiance et un acte de foi. Pour quiconque marche avec le Seigneur. L'Éternel n'a pas demandé à Gédéon de lui faire une offrande. C'est Gédéon lui-même qui a décidé de lui faire une offrande pour montrer sa foi en l'Éternel et en la parole de Dieu. Si tu obéis à ces choses, tu connaîtras le succès au nom de Jésus. Je prie que ce message atteigne les plus profondes zones de ton cœur et que Dieu change quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.
Oh, Yakatabra. J'espère que tu étais béni. Si tu étais béni, mets-moi le plus long amen que tu n'as jamais mis de ta vie. Et je te donne un sujet de prière. Nous prions. Ensuite, je prie pour toi. Akabara kate balakate. Ramaze katabra. Ekatu ramaka tibrazan tibalento roto saka tibrakata. Ekete balaga do bazaka tibarada. Ekete borosa barada. Ekalo ramade kato braza katabara. Akato laza regedege. Yakatata kadubaraka. Tobaraka tabaza. Rakate bazo koto. Akuta la baranti. Ekwa di katabazo katabara katabara ete baza katobra. Thank you, Lord. Je vais te donner un sujet de prière. Nous allons prier et je vais prier pour toi. Déclarer ma kataba. Et qu'on la ramasse, kato brala katima le tarabado, akata ya samatima, ato bala katima, rakate boro sakata, et kwa de dadayan de balanto, et kuta bara katiba rado zoto barati taranto brasi kibarate. Thank you, Father. Thank you, Lord. Regarde, voici le sujet que je te donne. Tu vas prier pour dire, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Délivre-moi de toute chaîne par lesquelles l'ennemi me maintenait captif au nom de Jésus. Délivre-moi de toute chaîne par lesquelles l'ennemi me maintenait captif au nom de Jésus. Délivre-moi de toute chaîne par lesquelles l'ennemi me maintenait captif au nom de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel et prie avec moi. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Délivre-moi de toute chaîne par lesquelles l'ennemi me maintenait captif. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie le Seigneur. Rabalaba, rabalaba. Ekato ramate brazateka. Ekwa takabora katita kazabara. Elokoto yakata mara de bazintabra. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Délivre-moi de toute chaîne par lesquelles l'ennemi maintenait mes finances captives, par lesquelles l'ennemi maintenait mon foyer captif, par lesquelles l'ennemi maintenait ma destinée captive, par lesquelles l'ennemi me maintenait captif. Délivre-moi de toute chaîne. Délivre-moi de toute chaîne. Délivre-moi de toute chaîne. Délivre-moi de toute chaîne. Rabaza katabarante. Ekwada rabalo rabada. Regedegedegedegede. Ekusakati balabaronti bala. Ekwada gada zozo katabarante. Ikatabala katibaro katabara. Rededededede. Ekotabarate baranto. Kwazaza katabara katebro. Ekotobolo katabara. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À partir d'aujourd'hui, aucune chaîne, que ce soit, quelle que soit la nature de la chaîne, quelle que soit la force malabarée, katabaloza, quelle que soit la force de la chaîne, quelle que soit la dureté de la chaîne, de même que les chaînes qui liaient Pierre sont tombées, les chaînes spirituelles qui te lient tombent aujourd'hui. De même que les chaînes qui liaient Paul et Silas et tous les prisonniers qui étaient avec eux dans la prison, dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25, de même qu'elles sont tombées, de même qu'elles ont été rompues, Dieu fait tomber toutes les chaînes dans lesquelles tu es aujourd'hui. Tous les liens dans lesquels tu es sont rompus. Dieu te délivre. Tes finances sont délivrées. Ton foyer est délivré. Ta santé est délivrée. Tes études sont délivrées. Ton ministère est délivré de tout lien. Tes projets sont délivrés de tout lien. Dieu délivre ta carrière. Que ce soit une carrière sportive, que ce soit une carrière musicale, que ce soit une carrière artistique, Dieu délivre ta carrière. Ta famille est délivrée. Ton sommeil est délivré. Si tu étais victime d'un mari de nuit, tu es délivré. Victime d'une femme de nuit, tu es délivré. Victime de vol et d'agression, tu es délivré. Victime d'envoûtement et de poison, tu es délivré. Si tu étais victime de toutes sortes d'attaques spirituelles, de toutes sortes de pressions, aujourd'hui, tu es délivré. Dieu te délivre. Il fait tomber tous les liens qui était dans ta vie, que ces liens soient fortifiés par le côté maternel, ou que ces liens soient fortifiés par le côté paternel, tu es délivré. Si ces liens, ces chaînes sont fortifiés par le péché, tu
tu es délivré. Si ces liens sont fortifiés par de fausses fréquentations, tu es délivré. Si elles sont fortifiées par l'ignorance, tu es délivré. Quel que soit l'état dans lequel tu es délivré. Si ces liens, ces chaînes sont le fait de sorciers, ils sont morts et tu es délivré. Si c'est le fait de féticheurs, il est mort, tu es délivré. Si c'est le fait de spirites ou de satanistes, ils sont morts, tu es délivré. Quel que soit celui qui t'a enchaîné, Jésus te libère. Quel que soit celui qui t'a enchaîné, Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. En Jean chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32, Jésus dit, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, comme tu as entendu la parole de Dieu et que tu as connu la vérité, cette vérité est affranchie au nom de Jésus. Si dans ta famille, on avait dit que personne ne peut avoir un certain niveau d'études et que toi, tu t'étais engagé dans les études, mais tu n'arrivais pas à avancer, aujourd'hui, cette loi est brisée. Et tu avances, tu obtiens le diplôme qu'il faut. Si on avait dit que personne ne peut être millionnaire ou milliardaire dans ta famille, aujourd'hui, cette loi est brisée. Cette chaîne qui barre la route est brisée. Tu deviens le premier millionnaire de ta famille. Tu deviens le premier milliardaire dans ta famille. Si dans ta famille, on avait dit personne ne peut se marier, cette chaîne est brisée. Ce lien est brisé. Tu te maries aujourd'hui. Si on avait dit que personne ne peut enfanter, alors que tu es marié, tu ne peux pas enfanter. Tu aimes ton mari aime, mais vous ne pouvez pas enfanter. Cette loi, cette chaîne, ce lien sont brisés. Aujourd'hui, tu es enceinte. Quelles que soient les chaînes, quels que soient les liens dans lesquels tu étais, tu es libéré. Si tu es malade, mets la main où tu as mal. Et je prierai pour toi afin que Dieu te guérisse. Que Dieu te délivre de toute maladie. S'il y avait l'ulcère dans ta vie, l'ulcère meurt. S'il y avait une tumeur dans ta vie, la tumeur meurt. S'il y avait une infirmité quelconque dans ta vie, l'infirmité meurt. Quel que soit Ayakatabara, Zekatobara, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, elle meurt. Si cette maladie, c'est une maladie de peau, ta peau est rafraîchie et elle devient comme celle d'un bébé. Si tu as une maladie dans ton sang, la maladie est arrachée par le feu et tu es délivré. Et tu es guéri. Si tu as une maladie dans tes os, quel que soit son nom scientifique, son nom terrestre ou son nom astral, je m'en fous. Cette maladie est arrachée par le feu. Tu es guéri. Exode 15, 23, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Matthieu chapitre 9, verset 35, la Bible dit, Jésus allait de village en village, de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, annonçant, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute infirmité et toute maladie. La Bible dit en Luc chapitre 9 verset 1 que Jésus appela ses disciples, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance pour guérir les maladies. Aujourd'hui, je déclare que tu es guéri. Si tu avais l'asthme, tu es guéri. Si tu avais le VIH, tu es guéri. Si tu avais une insuffisance rénale, tu es guéri. Si tu avais une maladie dans ta colonne vertébrale, tu es guéri. Si tu avais une maladie dans tes jambes, tu es guéri. Si tu avais une maladie dans tes bras, tu es guéri. Si tu as une maladie dans tes yeux, tu es guéri. Une maladie dans tes oreilles, tu es guéri. Si ton cerveau était atteint, tu es guéri. Si on avait prévu que tu sois opéré, j'annule l'opération. Dieu te délivre, tu es guéri. Si tu souffrais de diabète, tu es guéri. Quelle que soit l'infirmité dont tu souffres, si tu as un poison dans ton corps, tu es guéri. Si tu as un envoûtement dans ton corps, tu es guéri. Par le feu, tu es libéré de tout joug que l'ennemi t'a imposé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yakataba, je bénis tes études. Tu obtiendras tes diplômes et par la suite, tu auras du travail. Je bénis ton CV. Si on t'a dit non jusqu'à aujourd'hui, retourne là où on t'a dit non. On vient de t'embaucher. Je bénis ton foyer, je parle paix dans ton foyer. Toutes les querelles s'arrêtent et les esprits qui agitaient sont consumés par le feu. Je bénis tes affaires, je bénis ton entreprise. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'ouvrira de bonnes portes et tu auras des contrats juteux au-delà même de ton espérance. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'arrose et que Dieu te glorifie tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Si tu as reçu ces prières, dis je reçois.
Thank you, Holy Spirit. Malazata. Si tu m'as écouté et que tu veux, tu dis, évangéliste, je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux faire la paix avec le Seigneur. Baisse la tête et répète après moi ce que je vais dire. Père éternel, je te remercie d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi et lave-les avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre de la mort. Que j'aille au paradis et point en enfer. Amen. Je prie, à partir d'aujourd'hui, ta vie ira toujours de l'avant. Tu ne retourneras plus jamais en arrière. Tu seras toujours à la tête, tu ne seras plus jamais à la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras plus jamais en bas. Prospère, réussis, mange les meilleures productions du pays dans lequel tu es béni au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni réellement, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu te bénisse pour ce temps que nous avons passé ensemble. Reste connecté, abonne-toi à mes directs. Il doit y avoir normalement la possibilité de le faire. Je vois que certaines personnes viennent de se connecter. Ce n'est pas grave. Après, il y aura le replay. Et aussi, vous pourrez sur ma page Couronne TV. Vous voyez Couronne TV pour le groupe. Vous pourrez revoir ces messages qui vont repasser. Ce soir, normalement, le message du jeudi, donc de hier, repassera. Et la semaine prochaine aussi, ce message d'aujourd'hui repassera. Donc, même si tu viens d'arriver et qu'on a terminé, ce n'est pas grave. Non seulement tu as le replay, mais après cela, tu as, n'est-ce pas, la possibilité de suivre aussi sur ma page Couronne TV. Aimez, je vous encourage à aimer la page, à vous y abonner et puis, n'est-ce pas, à partager tout ce qui s'y fait. Et nous allons avancer ensemble. Donc, abonne-toi à mes directs pour, n'est-ce pas, ne rien rater. Je te donne le programme des lives de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons un programme le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, le mardi, tu auras le thème du mardi courant d'ici au pire le lundi. Tu auras le thème qui sera prêché le mardi. Mais le mardi à 13h, sois connecté, n'est-ce pas? Mardi à 13h, sois connecté. Et nous allons passer un temps puissant ensemble. D'ici le lundi, tu auras le thème du mardi. Et le jeudi et le vendredi, par contre, ça sera le Dieu de David. Deux jours du Dieu de David. Ça sera le jeudi et le vendredi prochain. Donc, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, on aura deux jours du Dieu de David. Les heures seront communiquées et tu seras béni abondamment au nom de Jésus. Donc, mardi, on a un rendez-vous. Déjà à 13h, soit sur le thème sera donné par l'affiche. Suis mes posts et suis aussi tout ce que j'ai fait. Tu vas voir, Dieu te bénira. Mardi, on a un programme à 13h, heure de Paris. Jeudi, vendredi, on aura deux jours du Dieu de David. Pour le mardi, l'affiche donnera toutes les informations. Tu as aussi mon numéro qui est affiché en WhatsApp. Ça, je le mets pendant le direct, quand après le message, je suis en train de prier. Si quelqu'un veut appeler pour que je prie pour lui, il a un sujet, il veut appeler en direct pour que je prie pour lui ou même pour un de ses proches, tu peux le faire après le message. Pendant que je prie, tu peux le faire. Je décroche, je prie pour toi en direct. Quand le programme finit et que tu veux me joindre après, ça, tu le fais uniquement par message sur WhatsApp ou bien sur Messenger. Si le message, le cas que tu as expliqué par message nécessite que tu appelles, je te dirai d'appeler. Si Dieu me dit, dis-lui d'appeler, je te dirai d'appeler, je prierai pour toi. De toute façon, que ce soit de vive voix ou que ce soit par message que je te réponds, l'essentiel, c'est la même puissance qui se dégagera. Tout ce qu'il faudra, c'est ta foi et Dieu agira. Donc, Dieu est avec toi. Je vois que des personnes viennent de se connecter. Nous avons par contre fini. Ok, tous ceux qui sont hors de Paris, donc vous prenez ces heures de Paris, voilà. Les heures que je donne, c'est heures de Paris, et vous faites ça. Et donc, Dieu vous soutiendra. Et on fait tout pour que, non seulement vous ayez le replay, mais sur la page Couronne TV. Abonnez-vous, aimez la page Couronne TV et abonnez-vous. Vous allez voir Couronne TV avec un tiret de 6. Il y a mon nom qui apparaît, Paul Obrou, Couronne TV, Paul Obrou. Vous vous abonnez parce que les messages repassent là-bas aussi en direct. Et il y a aussi ma chaîne sur YouTube où vous pouvez revoir les messages. Vous avez mon numéro aussi pour me joindre, soit en direct, soit après le message. Dans ce cas, c'est
uniquement par texto. Et si cela nécessite que vous appelez, je vous dirai d'appeler et Dieu vous bénira. Merci à tous d'avoir été présents. Que toute la gloire revienne à Dieu. Tu es béni, ta tête est bénie, tes mains sont bénies, tes pieds sont bénis. Les anges de Dieu combattent pour toi. Quelle que soit la situation, tu ressortiras toujours vainqueur. Tu ne seras jamais le perdant. C'est toi qui seras toujours le vainqueur. Tu es béni au nom de Jésus. Ciao.